Bonsoir Tony Montana, comment tu vas? Bonsoir Patrice Kwame, merci de participer. Bonsoir Ok Odiagba, Sangaré Salomon, Patrick Kwame, bonsoir, bonsoir. L'œuvre de Guinée, comment tu vas? Banta Maria Mondjare, j'espère que tu vas bien. Moudou Moudou, Christine, bonsoir Christine, j'espère que ça va. Donc voilà encore ce soir avec une nouvelle thématique. Hein. Et Maimouna Silla et Awa Bamba. Aujourd'hui, on va parler des femmes. Est-ce que nous, les femmes, on est beaucoup plus manipulatrices que les hommes? Yannick, il y a beaucoup de questions pour nous. Ah, Kumba Bakaye, comment tu vas, ma chérie? Elle, c'est une bonne participatrice, elle. je me présente hein, à sa psychologue, coach, conseillère en images et votre relookeuse. Mes services sont centrés sur le développement personnel, l'accompagnement des individus, que ce soit en individuel ou en groupe. Mon site internet www.désiredevient.com, vous allez pouvoir retrouver tous mes services et les détails sur mes services sur le site. Et de surcroît, vous allez pouvoir aussi faire vos réservations sur ce site. Je vous laisse vous présenter, Mister Yannick. Yes, Yannick Chiao, je suis entrepreneur, j'aide les petites et moyennes sociétés à se développer via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram surtout, et YouTube, et j'ai un site internet qui s'appelle impulsionpro.co. Donc si vous avez un business, que ce soit de la vente, surtout en ligne, n'hésitez pas, impulsionpro.co, et on mettra en place une stratégie ensemble pour que vous puissiez communiquer sur ces différents réseaux avec un site internet. Donc voilà. Et d'ailleurs, hein, je tiens à le souligner, aujourd'hui ma stratégie elle est complètement vue et faite avec Yannick Yao, notamment mon site internet. Si vous avez besoin de conseils stratégiques, n'hésitez pas à prendre contact avec lui, je le recommande totalement. Merci. On y va? Ouais. Je te laisse. Ah, ça se repose vendredi, c'est moi qui prends le relais. D'accord, donc c'est moi qui fais les questions, effectivement. Elles sont un peu provocatrices. Et ce n'est pas une attaque envers vous, mesdames, hein, puisque j'ai eu plusieurs retours chaque semaine, comme quoi j'étais éventuellement contre les femmes. C'est pas du tout cela. Donc c'est même l'occasion pour vous de vous défendre. Donc n'hésitez pas à appeler au 09 70 40 55 20. Donc comme ça l'a dit, le sujet c'est les relations par intérêt. La manipulatrice, en quelque sorte. Est-ce que les femmes, vous êtes plus malignes, plus manipulatrices que nous les hommes, que ce soit dans le travail, en amitié, ainsi que dans la relation amoureuse? Est-ce que vous obtenez tout ce que vous voulez en utilisant vos attributs féminins? J'ai juste besoin de savoir comment les femmes réfléchissent, les manipulatrices surtout. Comment faites-vous pour avoir de l'homme ce que vous voulez? Nous savons que le sexe a beaucoup de poids dans ce jeu, à tel point que certains d'entre vous peuvent nous laisser nous en approcher assez près pour le sentir, pour nous motiver et faire diversion sur vos réelles intentions. Mesdames, est-ce que nous pouvons connaître l'envers du décor et découvrir comment vous utilisez les hommes pour atteindre vos objectifs? Parce que j'ai déjà entendu des femmes dire « Bah oui, parfois il faut flirter pour gagner » ou encore « La fin justifie les moyens ». La fin? La fin justifie les moyens. La manipulatrice. Est-ce l'élève qui a dépassé le maître? On nous rabâche énormément que les hommes sont des gros manipulateurs. Mais pouvons-nous dire aujourd'hui que vous nous avez rattrapés, voire surpassés dans ce domaine? Nous voulons savoir. Nous avons des femmes ici présentes, en l'occurrence deux, et celles que nous suivent via Facebook. Nous voulons savoir comment vous nous manipulez. N'est-ce pas vrai que les femmes manipulent les hommes pour arriver à leur fin? Révélez-nous vos techniques, Mia, Assa, et toutes celles qui nous suivent. Parce que je sais que vous avez des techniques. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone 09 70 40 55 20. Est-ce que vous flirtez dans le business, au bureau ou au magasin? Dans votre lieu, sur votre lieu de travail, est-ce que vous flirtez, mesdames? Ou est-ce que si vous êtes déjà arrivé? Mia, est-ce que tu connais des personnes à qui c'est arrivé? Ouais.
fait pour arriver assez fort comme jeu? Toi ou quelqu'un que tu connais? Je demande, toi ou quelqu'un que tu connais? Quelqu'un que je connais. Des gens que je connais, parce qu'il y en a beaucoup. C'est difficile de dire, oui, effectivement, je suis une femme, j'ai des atouts, des attributs, comme le dit si bien Yannick. Et ben, je flirte. Non. Non, c'est difficile. Toutes les femmes flirtent, de toute façon. Que ce soit au supermarché, faire des courses, partout. Faire des courses. Ça sert encore aujourd'hui ou pas? Ça sert encore aujourd'hui? Bah oui, ça sert! Au garage. Attendez, rapidement, il y a quelqu'un qui nous appelle, je pense, un témoignage. Allô? Oui, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bintou. Bonsoir Bintou, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tu nous appelles d'où Bintou? J'appelle d'Orléans. D'accord, très bien Bintou. Alors on t'écoute, quel est ton avis sur ça? Bon, je prends l'exemple sur moi-même parce que, en fait, quelle que soit la relation que j'ai avec les gens, je les laisse décider quoi. Mais forcément, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont, comment on dit, qui ont mis la main. Moi, je suis du genre, je dirais que tous ceux qui suivent dans une relation, que ce soit amicale ou une relation amoureuse, c'est moi qui mène la danse. Ah. Et je laisse croire à l'autre personne que forcément c'est elle qui mène la danse. Tu es une manipulatrice, Bintou? Bon. Oui, je dirais ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de... Comment tu manipules? Jusqu'à où tu manipules? Donne un exemple concret, une histoire concrète. On va bien entendre ça. C'est pas différent, hein. Comment? Non, je dis pas que c'est méchant. Je manipule gentiment. D'accord, ok. Donne-moi un exemple, une histoire où tu as manipulé quelqu'un pour avoir, pour arriver à tes fins, gentiment. Il y en a tellement que tu n'arrives plus à te souvenir. Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Oh, on t'en demande qu'une. La société même, c'est une société de manipulation, on va dire. Ok. Mais moi, je veux entendre Bintou, est-ce que, pas est-ce la société. Est-ce que Bintou, déjà, t'es inspiré pour nous faire part d'une expérience déjà? Oui, mais je fais de la manipulation sentimentale. C'est-à-dire, rentre dans les détails. Bon. Alors, rentrer dans les détails avec des grandes lignes, quel était ton objectif concret, comment t'as fait pour arriver à cet objectif-là, et quel était ton point de départ, juste ces trois grandes lignes-là. Wow. Mon point de départ, en fait, je suis dans une relation. D'accord. La personne est déjà avec quelqu'un. D'accord. On s'est connu. D'accord. J'ai fait de la manipulation pour qu'il laisse tomber d'autres. Oh. D'accord. Qu'est-ce que tu as utilisé? Là. Tes pouvoirs. C'est quoi tes pouvoirs? C'est quoi tes pouvoirs? De toute façon, on ne sait pas qui tu es. On sait qui... Ok. Et quel est le pouvoir qui a fait qu'il a... T'as réussi à le détourner? Quel est le pouvoir que tu as utilisé? Je suis allée tout doucement. Simplification. T'as été stratégique? Oui. D'accord. Donc en fait, t'as tapé là où au moment il fallait taper et avec la force qu'il fallait utiliser, c'est ça? Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que t'as eu au final? T'as eu une relation stable? Oui, je suis arrivée jusqu'à présent. On a 2 ans de relation. Vous avez 2 ans de relation, c'est ça? Oui. D'accord. Et ça va, tu es contente, tu regrettes pas en tout cas cette manipulation qui t'a mené en tout cas à l'homme de ta vie? Ah, si je pouvais dire ce qu'elle a voulu. Je vous ai dit, on est dans une société de manipulation. Ouais. On peut manipuler, on manipule, donc ouais. C'est pour ça que ça va. Mais moi en fait, moi, il faudrait bien savoir comment elle a fait une de ses astuces pour pouvoir garder cet homme-là en fait. Comment t'as fait Bintou pour garder cet homme-là? Je l'ai rendu amoureux, je me suis rendu indispensable. J'étais au courant qu'il était avec l'autre. Moi, j'étais au courant, mais l'autre, je ne savais pas pour moi. Et l'autre, il était très engagé dans l'autre relation ou pas? Oui, il avait eu 4 ans de relation avec elle, quand même. D'accord. Ok.
Autre chose, Bitu? Oui. Oui, non, mais autre chose, t'as autre chose à ajouter à ça? Non, on est juste dans une société de manipulation, il faut savoir manipuler, c'est tout. Ouais. C'est un coup de plus. Toi, tu t'es bien servi de ça, en fait, pour pouvoir arriver à tous tes fins, en fait. Pas seulement avec cet homme-là. J'ai dit, grâce à ça, en fait, t'as pu avoir presque ce que tu voulais, l'homme de ta vie. Oui, je crois que c'est l'homme de ma vie pour le moment. Tu crois ou tu en es sûr? Ah, j'ai dit d'accord. Ah bon, tu hésites et pourquoi ça, Bintou? D'où vient ce... Non, c'est vous taquine. Ah, c'est mieux, Bintou, là, toute cette stratégie, toute cette manipulation pour pas être sûr, non? Là, je me rassure. Ok, c'est cool. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur, Bintou, et je te remercie pour ta participation. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Alors, on va lire Florence Atlasato. Elle nous a dit quelque chose qui était super intéressant. Elle a dit « Les femmes sont manipulatrices et à la fois en contradiction. Une femme peut apporter une jupe qui à la fois va lui permettre d'être séduisante. » Apporter, j'ai dit porter. Porter une jupe qui va à la fois lui permettre d'être séduisante, mais elle ne souhaitera pas être jugée. Attends, afficher plus. Je commence. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Hein. Une jupe à la fois qui va lui permettre d'être séduisante, mais elle ne souhaitera pas être jugée ou qualifiée par rapport à son vêtement. La jupe est quelque part un accessoire de manipulation en fonction du contexte, bien sûr, ou pour certaines, un moyen de revendication de pouvoir. C'est sûr. Ça sent... La stratégie et la manipulation vont-elles de pair? Est-ce que ça va de pair? Non, ça va pas de pair. C'est pas la même chose. Ah bon? La manipulation est beaucoup plus profonde que la stratégie. La stratégie, qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce qu'on connaît tous la définition de du mot? Là, je crois que je suis en train de prendre les rênes, là. C'est pas grave. Vas-y, intéressant. Normalement, tu dois te reposer le vendredi, mais si tu veux, prends. C'est chez toi. Fais pas toi. La stratégie, pour moi en tout cas, pour ma perception, pour moi une stratégie c'est ok, j'ai un objectif, quel est mon plan d'action que je vais mettre pour pouvoir arriver à cet objectif là, d'accord? Pour moi c'est ça la stratégie, on est bien d'accord, t'es d'accord avec moi? La manipulation c'est mettre des choses en place à l'insu peut-être d'un interlocuteur ou abuser d'un point fort que j'ai pour pouvoir arriver à un objectif. D'accord. Après, je pense que Bintou là qui vient nous appeler, elle, ça a plutôt été stratégique. Il ne faut pas mélanger stratégie et manipulation. Pour moi, c'est deux choses trop différentes, c'est trop décalé. Attendez, il y a la hotline qui nous appelle. Hein. Allô, oui, bonsoir. Oh, ta mère. Oh, bah dis donc. Alors, tu Non, ça va pas, non. Elle a dû l'en masquer, elle est drôle. Elle avait pour dire qu'on a qu'à niquer sa maman. Mais dis donc. Sérieux? Ouais. Mais sérieux? T'as accroché? Non, c'est elle qui a accroché. Ça, ça doit être une non-life, laisse tomber. Je sais pas si t'appelles pour dire quelque chose qui te tient à cœur, bah autant ne pas appeler en masqué en fait, porte tes ovaires en fait. Non, elle m'a demandé, elle a appelé pour que j'aille faire quelque chose avec sa maman. C'est pour ça qu'elle. C'était pour toi? Bah, visiblement. Bah non, on est trois là sur le plateau. Bah oui. C'est pour ça, elle a appelé pour que j'aille. Oui, mais c'est son garçon en fait, parce que nous deux on pourra pas faire ça à sa maman. Bah ouais. Enfin bref, laisse tomber. Ah, bizarre. Oui. Il a dit quoi, mais... Oui, effectivement. Bon, est-ce qu'être amical avec une personne du sexe opposé, c'est l'équivalent de flirter? Mia, Mia, ressaisis-toi. Non, mais c'est grave. Bon, est-ce que bon, est-ce que vous recrutez un standardiste? Non, vraiment, ça va aller. C'est vrai, on vous propose de venir faire des choses à des mamans, moi ça me dérange pas. Je suis... Non, on va se calmer quand même. Hein. Disponible. Non, c'est donc, est-ce qu'être amical avec une personne du sexe opposé, c'est l'équivalent de flirter? Non. Non.
pensez pas. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on pense que c'est flirter quand vous êtes amical avec nous? Les hommes, ils le savent très bien quand ils mettent une fille dans la case du ami et quand ils la mettent dans la case de la friend zone de l'ami où je travaille pour pouvoir l'orienter sur autre chose. Donc c'est très bien que c'est différent. Je parle des hommes, garçons, je parle pas des êtres humains, je parle des hommes. C'est-à-dire que toi, t'es une femme, tu rigoles, pour toi c'est amical. Est-ce que tu penses que l'homme avec qui tu es en train de rigoler, il se dit pas, ah mince, elle est bonne? Au-delà de ça, la manière dont elle se comporte fait que oh, j'ai un ticket avec elle, quoi. Ouais, des fois que... C'est vrai que l'amitié... Ça ne vous est jamais arrivé, ça, d'être uniquement elle, bon, c'est... D'être... Amical, ouais. Ouais, et qu'après, bah, le mec, il se retrouve il a, à... La mal interprétée, ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Bah, c'est un... Ils sont beaucoup plus sensibles, en fait, ouais, à la démarche. Et vu que toi, t'es une fille, tu te laisses un peu plus aller parce que bah, t'as un peu plus confiance. Bah ouais. Et ça arrive que bah, du coup, ça... bah, beaucoup de relations ont démarré comme ça. Démarré comment? Dans le cadre de l'amitié. Non, j'ai pas le contraire. Mais je dis, est-ce que entre nous les hommes, on peut être très bien amis avec nous? Non, vous pouvez très bien être amis. C'est uniquement de l'amitié. De toute façon, l'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas. Oh. Tu sais que je suis en contradiction avec ça? Dis-moi pourquoi ça n'existe pas. Pourquoi ça tu penses que ça n'existe pas? Parce que... Tôt ou tard, il y en a toujours un, que ce soit l'homme ou la meuf, ils vont se dire... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas en fait? À la fin, ça va être ça. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Des preuves d'amitié et puis... Et que ça, je me retrouve en couple. Ah, d'accord. Dû t'appeler au 09 au lieu de taper là. C'est du bled en plus. Oh, bah dis donc. Et toi, pourquoi t'es en contradiction? Parce que moi, je sais. T'as des amis garçons? Oui, d'ailleurs même toi. Je vois ton ami. Je suis ton autre poignet. Bah voilà, bah, on aurait été deux emplois. Qu'est-ce que c'est concrètement l'amitié? En termes d'émotion mentale, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour aussi, hein, indirectement. Okay, c'est une personne que tu apprécies, la... voilà. Okay, c'est comme ça que l'amitié naît, d'accord? C'est comme ça que l'amitié naît et après tout va dépendre des émotions que tu vas développer derrière, mais déjà en un premier temps c'est comme ça que ça commence. On aurait été, comme tu dis, tu es mon employé, on aurait été deux employés qui s'entendent pas du tout, je pense pas que j'aurais continué à te garder, même si tu me donnes des très bons conseils. Non, non, tu me gardes parce que je te fais gagner. C'est comme ça, c'est du business, si je te faisais pas gagner, ouais, il n'y a aucun intérêt. Parce que... Mais t'as des personnes qui sont capables d'interrompre un prestataire si le feeling ne passe pas. Et s'il le fait gagner. Mais même s'il le fait gagner. Il y en a aujourd'hui, ce que tu fais, des consultants, il y en a plein, Yannick. Des femmes, des hommes, il y en a énormément qui le font. Je ne dis pas le contraire, mais je dis si tu es avec une personne qui te fait gagner, quel est l'intérêt de la couper? Aujourd'hui, moi, je ne vois pas l'intérêt de la couper. Bah, mais concrètement. Oui. Même si t'apprécies pas ma gueule, t'apprécies pas comment je te parle. Tes manières de parler, tes manières de te comporter, tes conseils, bah du coup ils seront pas aussi pertinents et impactants. Si déjà la personne elle est bloquée sur ton profil. Alors éventuellement je m'exprime pas correctement. Quand je dis elle te fait, je m'exprime pas correctement. Ce que je veux dire c'est que dans les relations de travail, business, t'es là pour un objectif, du résultat. Bien sûr. Donc si je t'apporte ce résultat là et que tu n'aimes pas ma manière d'être, peu importe. Tu as des gens qui sont prêts à arrêter ce typologie de partenariat parce que déjà le feeling n'est pas passé ou ne passe pas, ou même si la personne n'apporte des très bons conseils, parce que ça c'est pas passé, bah du coup ils peuvent interrompre dès le départ. Lors du premier échange par exemple. Non, mais je parle pas du premier échange. Bah si, au premier échange, je te fais pas gagner. Mais bah si, au moins au premier échange, tu me fais part de ce que tu comptes apporter à mon entreprise. Je parle pas de ça. C'est un premier échange où on essaie de se projeter. Mais c'est ce que j'ai dit. S'il y a du résultat, je parle pas de d'une comment projection. Tu veux qu'on arrive au résultat si déjà moi-même je suis bloqué sur ta personne? Mais moi je te parle pas d'être bloqué sur ma personne. Au premier rendez-vous, on a tous nos meilleurs attributs. Oui. D'accord. Donc moi je te parle quand on a passé ces étapes-là. Et qu'il y a du résultat, mais éventuellement, tu n'es pas ma manière d'être. Moi, je te dis, il y a des gens qui sont prêts à interrompre ce genre de partenariat. Dans ton boulot, hormis la psychologie, ton travail dans le magasin, tu as éventuellement des employés, ou tu as vu dans le passé, je vais parler du passé, parce que je n'étais pas présente, avec lui, qui fournissait éventuellement du très bon boulot. Ça t'est jamais arrivé d'avoir des employés qui fournissaient du très bon boulot, mais avec qui le film ne passait pas? Ça, il y en a toujours. Je ne dis pas le contraire. Mais néanmoins, c'est quoi qui
très beau. Est-ce que c'est le feeling? Non, bien sûr, c'est le résultat, la manière dont la personne est investie. Mais aujourd'hui, je te dis qu'il y a des gens qui sont prêts, dès lors du premier feeling, si ça passe pas, d'interrompre le partenariat. C'est pas dans un moment si c'est dès lors du premier. Ça n'a pas démarré. Oui, bah, j'ai pas vu les résultats non plus. Ça n'a pas démarré le conflit. Okay, Non, c'est pas grave. On parle de quand on est déjà, on a déjà avancé, là tu me parles du délai. D'accord, et dans tous les cas, tout ça pour dire que on peut très bien être des amis, sachant qu'on est des amis, et ben du coup on compte rien faire avec cette personne-là parce que je sais que cette amitié-là, je ne la risquerai pas pour une histoire de fesses. Est-ce que tu penses que tous les hommes. T'es les... choquée? Non. T'es pas d'accord? Mais en fait, moi je me dis que les choses se font naturellement en fait. T'auras toujours quelque chose à ressentir parce que par exemple la personne. Et imagine que comme il le dit si bien Yannick, cette personne-là, elle t'apporte des bons résultats parce que c'est un ami qui te donne des très bons conseils, mm-hmm. qui t'oriente, qui t'éclaire sur les amis qui t'entourent, etc. Mais cet homme-là ne reflète pas du tout ton idéal masculin. Comment tu fais? Explique-moi. Non mais explique-moi en fait, parce que tout le monde me dit oui, les relations hommes-femmes ça n'existe pas, mais si déjà la personne ne t'attire pas, vous deux vous attirez pas, mais juste vous êtes rencontrés sur un lieu professionnel. Mais le physique c'est pas toujours quelque mais chose. Mais oui, le physique c'est pas toujours, mais tu sais qu'aujourd'hui dans notre société, le physique préliminairement les gens se mettent en relation à cause du physique. Oui, il faut arrêter, on travaille tous dans cette démarche-là, mais concrètement, comme on m'a dit la semaine dernière, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc maintenant c'est pas. Celle-là, je l'ai pas oublié. La Soso. Oui, la Soso. Comment on fait? Moi, je sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est que. Cette personne-là, elle t'apporte en termes de résultats. Bah, mais si, personnellement, intérieurement, elle m'apporte et ce dont j'ai besoin. Ouais. Mais je vais passer au-dessus du physique. Ouais, tu vas passer au-dessus du physique parce que tu te projettes être en couple avec lui. Mais si tu te projettes pas à être en couple avec lui et que t'as déjà ton mec et ça se passe super bien avec ton mec. Ah mais c'est gâté, bah je bah voilà, imagine que lui de son côté c'est exactement la même chose. Donc tu te mettras pas en couple avec lui, vous allez continuer votre amitié pendant des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans. Vous allez même dormir ensemble en vacances, il se passait rien. Toujours rien. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, moi je défends la cause que l'amitié masculine elle existe. Et moi aujourd'hui j'en suis là, par la grâce de Dieu bien sûr, mais parce que aussi j'ai rencontré des amis masculins qui ont cru en moi, qui ont investi en moi. Et qui fait que même Yannick... On se voit le soir très tard ici, on travaille, il se passe rien, il n'y a même pas de monde. Pas à dire ça aux gens. Voilà, je tiens à souligner. Vrai ou faux? Obligatoirement de l'amour. Il dit quoi? L'amitié fille et garçon, ça existe, mais c'est pas obligatoirement de l'amour. Ça peut être quoi de l'amitié? Bah l'amour naît de l'amitié, non? Ouais. Donc Ama, explique bien l'Ima Bogona et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les gens chez moi? On appelle ça les sex friends. Bitou. Ça, c'est Bitou, ça. Il est revenu ici encore. Donc, on continue. Vrai ou faux? Beaucoup de femmes pensent qu'avoir une relation strictement professionnelle avec un homme les protège de potentielles avances de ce dernier. C'est ce que j'en pense, hein. Appelez-nous au 09 70 40 55. Je risque de me faire renvoyer pour votre vidéo. Va travailler, Adia. Ouais, je répète parce que les gens parlent en même temps. 09 70 40 55 20. Est-ce que vous pensez que beaucoup de femmes pensent qu'avoir une relation strictement professionnelle avec un homme les protège de potentielles avances de ce dernier? Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Cela permet de mettre des cadres. Des limites en fait. Des limites, une certaine barrière qui va faire que bah, tu vas être protégé derrière ces barrières-là. Après, je ne dis pas que les barrières elles peuvent être corrompues ou sursautées ou éventrées ou démontées. Je ne dis pas ça. Bon, au moins, la base, elle est là. Si vous avez déjà eu une relation strictement professionnelle et que malgré cela, l'homme a franchi la barrière, le cadre, appelez-nous s'il vous plaît pour nous raconter 09 70 40 55 20 pour nous raconter comment ça s'est passé. Parce que je crois, moi, que c'est pas parce que tu es au boulot que ta nature change, t'es un être humain. Donc concrètement, même si vous êtes dans une relation strictement professionnelle, et que si l'homme ou la femme, et c'est ce que je pense, ressent quelque chose pour vous, elle va dépasser ce cadre strictement professionnel. Bien sûr.
Beaucoup de rencontres se font sur les lieux professionnels. C'est le numéro 2. Hein. Ah. Ouais. Okay. Vrai ou faux? Une femme qui ne veut pas être perçue comme flirtant avec un homme sait se tenir parce qu'elle connaît très bien la conséquence de ses actes et la manière dont elles peuvent être interprétées par ce dernier. Une femme qui ne veut pas être perçue comme flirtant avec un homme, elle sait se tenir parce qu'elle sait très bien que si elle fait un geste, certaines choses, ça pourrait être mal interprété par ce dernier. Parce qu'elle sait très bien comment elle agit. Bah oui. Bah oui, quoi. Donc en fait, là, t'es en train de nous demander, est-ce que la fille, par exemple, elle sait très bien que mettre sa bouche comme ça. Oui. Ouais, bah, c'est genre le mec. Exactement. Et bah, elle va se retenir parce que c'est son ami, c'est ça? Pas parce que c'est son ami, parce qu'elle sait très bien que... Il est déjà à fond. Bah, éventuellement, même s'il est pas à fond, elle sait très bien qu'il peut l'interpréter. Mais bien sûr que la fille, elle va mettre sa bouche devant et elle va cambrer derrière. Elle va faire ça. Je te jure. Ah, c'est son cou. Elle va crier les yeux. Je te jure. Elle va bien se brosser les dents avec du Eva et Diamant avant de venir au travail. Elle va acheter le pch pch là. Tu vois, ça vient déjà arrivé de faire ça. Mia, je te laisse répondre. Je te laisse répondre, Mia. T'as soif. Allez, rafraîchis-toi. Ah, ça, j'étais. Non, mais ça, je t'ai déjà laissé la main. Franchement, oui. Ouais. T'as déjà arrivé. De faire ça. De faire ça, ouais. Dans la colasse. Pourquoi vous voulez tout le temps vous donner des noms péjoratifs pour vous faire des trucs comme ça? Non, ça peut être qualitatif d'être une connasse. Moi, j'aime bien être une connasse, moi, je valide. Putain, il y a même une page sur Facebook, ça s'appelle Madame Connasse. Moi, il faut être une psy pour penser comme ça. Ah ouais, tu crois? J'ai vu plein de pages de psychologues sur Facebook et tout, c'est que des trucs comme ça qui se disent. Pas exactement Madame Connasse, Madame Truc. Je sais pas, En fait, il faut. En fait, pour. Le mot connasse, pour moi, c'est pas un mot méchant. Vraiment. Je te jure, c'est vrai. Aujourd'hui, des fois, dans la vie, il faut être une connasse hein, pour s'en sortir. Je te jure, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il faut être une connasse pour s'en sortir dans la vie? Mais oui, parfois, il faut être une connasse. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Non, mais. Pas allô, oui, bonsoir. Si tu dis. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? À monsieur Stella Suleiman. Très bien, comment tu vas, Suleiman? Ça va? Ça va, très bien, et toi, Fabien? Ouais, ça va, on est là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Bah écoutez, je suis au travail, mais en même temps, quand même, je suis en train de voir votre émission qui parle sur l'amitié entre les hommes et les femmes et qui parle en même temps sur des relations d'intérêt. Alors, moi, la seule chose que je veux dire, c'est bon, l'amitié existe bien entre les hommes et les femmes. Après, ça dépend. Les deux personnes, qu'est-ce qu'ils se sont vus ou pas. Par exemple, on peut avoir, moi, j'ai beaucoup d'amis femmes dont je sais que ça reste toujours amis. Ben, après, je sais pas, voilà, tout comme ils croient. Quand on parle sur les intérêts. Bien vrai que la fille, on est là pour défendre nos intérêts. On est là pour défendre nos intérêts, mais quand même, ça doit être égal. Suleiman. Ouais. Ouais, ça va, c'est Yannick. C'est quoi ta mère? Oui. Allô, Suleiman. Oui, je t'écoute. Ouais, dis-moi. Parmi toutes les amies femmes que tu as, Est-ce que tu en as si effectivement tu te disais c'est possible de faire quelque chose avec celle-là, est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup? Il y en a certaines qui accepteraient. Moi j'ai pas cette intention. Non, je t'ai pas dit que tu as cette intention, non. J'ai bien compris. Maintenant je te dis, est-ce que parmi ces femmes que tu considères comme des amies à juste titre, parce que vous êtes des amis, est-ce que tu penses que si tu te disais toi, il y aurait quelque chose à faire, c'est-à-dire d'aller plus loin, sexuellement parlant. Est-ce que tu penses qu'il y en a certaines qui accepteraient? Bah, même si elles acceptent. Non, j'ai pas demandé même si elles acceptent. Ils vont accepter ou vont pas accepter. Mais moi, j'ai pas cette intention.
Mais je ne parle pas de ton intention, mon ami. C'est une amitié, je les prends comme mes soeurs, et puis voilà. J'ai bien compris que tu les prenais comme des soeurs. Maintenant, je te disais, de leur côté, est-ce que tu penses que si tu franchissais le pas, elles accepteraient? Est-ce qu'il y en a certaines qui diraient, oui, effectivement, allons plus loin? Bon, ça dépend de personne, on n'est pas tous pareils. Non, mais tu me réponds par oui ou par non. Non, mais dans ma réponse, je ne veux pas répondre à la place de la personne avec laquelle je ne sais pas ce qui est dans sa tête. Ah, okay. Moi, ce qui est dans ma tête, c'est juste une amitié. Je te prends comme ma soeur, je peux t'aider moralement ou financièrement. Si je peux, bien sûr. Après, moi, c'est ça que j'appelle pour amitié. Mmh. Après, il y a d'autres qui voient que l'amitié n'existe pas entre des hommes et des femmes. Quand tu vois un homme et ami avec une femme, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Après, moi, ça, je trouve ça vraiment archi faux. C'est faux. C'est n'importe quoi. D'accord. Ok. Merci pour ta participation, Souleymane. Merci. À bientôt. Tu dis à bientôt. Alors, faut pas oublier une chose. Je tiens à le souligner que, indirectement, les femmes, elles ont presque été éduquées comme ça. Parce que, très jeunes, je sais pas, en tout cas dans la communauté sénégalaise et malienne, pas malienne, je crois, les maliennes, elles sont très conservatrices. Avant le mariage, il faut que la fille, vraiment, elle reste dans le cadre et dans le cocon familial. Mais au Sénégal, ou à Abidjan, c'est un peu pareil. Elles sont pas au Abidjan. Bye, 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 bye. C'est pas du genre, là je vais énerver l'enfant de quelqu'un. Est-ce que c'est pas du genre, trouve-toi vite un mari pour qu'il nous fasse sortir de cette misère, de cette cour commune, qui paye les soins médicaux des parents. En fait, beaucoup de mamans, en tout cas, voient une très grosse ouverture au fait de, pas d'offrir leurs enfants, mais de les pousser à aller très vite en couple pour pouvoir, de manière indirecte, qu'elles puissent contribuer au développement du foyer. Au Mali aussi peut-être. De quel foyer? Du foyer des parents. D'accord. Ouais, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je m'exprime très très mal. Non, je vois. Bah, ça se pourrait. Ça se pourrait. Maintenant, ça dépend du cadre dans lequel tu as été élevé. Ouais. Si tes parents, malheureusement, tu as grandi dans un cadre où il n'y a pas beaucoup de moyens financiers, tu comptes effectivement sur ton enfant pour qu'il puisse aller au-delà de ce que toi tu as fait. Et éventuellement pouvoir t'aider, toi, parce que c'est difficile. Ouais, moi, je vois pas ça en mal, en vrai. Mais c'est une manière aussi qui démontre que très tôt, on a très vite éduqué les femmes à leur faire comprendre que, grandis vite, deviens vite une femme pour avoir un mari qui puisse subvenir à tes besoins. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Donc, si là, déjà la femme, elle a été éduquée comme ça très tôt, elle a forcément inculqué ça à ses enfants et de manière indirecte ou de manière mal organisée ou mal gérée, les enfants des générations suivantes ont peut-être perçu le message pas de la même manière, pas avec les mêmes valeurs en tout cas. T'es pas d'accord Yannick? T'as le droit hein? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste qu'il y a un contexte qui est là. Si tu as grandi dans une famille qui n'a pas trop de moyens. Et là, je te parle de l'Afrique. En Asie, c'est exactement la même chose. En Inde, je t'en parle même pas. Mais c'est partout pareil. Je vais peut-être sortir la France de ce cadre-là, mais. Quel parent voudrait pas que son enfant se mette avec une personne? Non, je te parle de ça en disant c'est très très tôt. Les Français se marient très très tard. Ah ouais? Ouais. Plus tard, tu te maries, monsieur. On va dire. Je vais prendre deux exemples. La femme française va vouloir être indépendante. La femme sénégalaise, par exemple, elle va être élevée dans sa tête, c'est tu te maries, c'est l'homme qui paye tout. Quelle femme française vous parlez? La femme européenne, peu importe. Je pense que vous regardez éventuellement trop la télé, éventuellement vous centrez beaucoup sur Paris. Non, sérieusement? Non. Quand on parle de femmes françaises, pour être très clair, on parle des blanches, comment s'appelle, des européennes? Non, peu importe. On parle de qui? Tout le monde. C'est qui la femme française? Française, que ce soit Assa, que ce soit moi. Non, on n'a pas tous la même éducation, je suis désolée. Tu vois, tu vas me dire que ta mère, elle t'a élevé en me disant dans ta tête, c'est l'homme qui paye tout. Non, au Sénégal, c'est tu te maries, c'est l'homme qui paye tout. En fait, la femme, c'est tu t'assois à la maison, tu vas sur la maison, et puis basta en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça que j'ai envie de soulever, et elle l'a très bien récapitulé en 2-3 mots, alors que moi, j'ai pris 15 minutes pour faire quoi. Une psy.
Vrai ou faux, les femmes savent exactement comment obtenir l'attention des hommes. Oui, bien sûr. Elles ont une manière de dire... femme qui ne sait pas comment attirer l'attention de son homme, qu'elle n'hésite pas à prendre une séance avec moi, d'accord? Dans la partie roulotique. C'est séance gratuite. Dans la partie roulotique, coaching, je lui donnerai tous les clés en main pour pouvoir remédier à cette problématique. Et s'il y a besoin d'astuces, tu m'appelles. Hein. Voilà, et après, je pense que Mia Moda prendra le relais. www.desiredevenir.com hein, pour réserver votre séance. Donc, vrai ou faux, les femmes savent exactement obtenir l'attention des hommes. Toutes les femmes. Mm-hmm. Je vais vous donner quelques phrases. Hey, beau boss. Mm-mm. Tu me plais. Je suis disponible. Ça, c'est cool, c'est qui? Salut-moi. Elles savent très bien comment se positionner, se rapprocher pour lui faire comprendre. C'est sa manière à elle de lui dire effectivement salut. Sans ouvrir la bouche. Elle savent très bien la manière dont vous allez vous comporter. Des fois, les yeux, ça parle en fait. C'est de ça le langage corporel. C'est de ça que je parle. Exactement. Moi, j'ai dit plein de mots. Tu as dit un mot. Tu comprends bien ce que je voulais dire. Le langage corporel. Elles savent utiliser leur corps. Oui. C'est la proximité nécessaire pour pouvoir attirer un homme. Il n'y a pas de deux. Oui, on sait utiliser notre corps pour attirer un homme. Les femmes mariées, appelez-nous et dites-nous comment vous faites pour obtenir tout de votre homme. Les petites amies, appelez-nous et dites-nous comment vous manipulez votre partenaire. 09 70 40 55 20. Les manipulatrices, là. Vrai ou faux, l'époque, la société dans laquelle on vit, vous pousse, vous, mesdames, à être manipulatrices dû aux nouvelles responsabilités que vous avez décidé d'endosser. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est la société, notre époque, qui vous pousse à être un peu plus manipulatrice? Ouais. C'est vrai. De plus en plus, les femmes élèvent leurs enfants seules. De plus en plus, elles cherchent à proclamer cette indépendance. On a déjà abordé la thématique de l'indépendance et l'interindépendance. Donc plus souvent, tu te rends compte ou tu ne te rends pas compte. Vous parlez allemand? Non, pas français. Mais il a écrit. Et Ama, on parle pas en allemand. On parle en français. On peut aller plus loin en parlant le Wolof. Tu parles Wolof, toi? Oui, je parle Wolof. Voilà. Donc, bien, non. Le Soniké, le Bambara, tu parles quelle langue, toi? Sur YouTube, là, on parle. Tu mettras les sous-titres. Oui, tu mets sous-titres. Traduction. C'est ça. Donc, explique-moi. Ah, madame Renou. Je sais plus, je sais quoi. C'est la société qui vous. Qui nous pousse à être manipulatrice. Un peu plus. Un peu plus, ouais, pour atteindre certains objectifs qui ont l'air un peu plus compliqués. Un peu plus compliqués par rapport à la personne que. Et son savoir-faire et son savoir-être. Quel type d'objectif vous pousse à être un peu plus manipulatrice? Franchement, il n'y a pas d'objectif concret. Ça peut être même acheter une baguette. Tu dois te manipuler pour acheter du pain. Comment on te laisse passer? Si ton mari il est flemmard, il veut pas se lever pour aller chercher le pain. Comment tu peux le motiver? Bibi, lève-toi, je te fais des tartines. C'est comme ça, tu vois. Non, mais tu connais. Non, là c'est gâté. Tu connais. On va utiliser des mots, on va utiliser le regard. Bébé, t'as pas envie d'un petit déjeuner? Non, même pas. Combien? Tu sais, des fois, genre. Vas-y, va acheter le pain. Non, c'est pas ça. On va pas le thème aujourd'hui. Quoi. Mais il y a des trucs. Il y a des techniques pour le motiver pour qu'il aille acheter. Parce que lui-même, il sait que s'il ne donne pas ça ce soir, il y a autre chose qu'il n'aura pas en fait. C'est bébé, j'ai mal à la tête et puis c'est tout en fait. C'est cool. Sinon, je te rappelle, tout à l'heure, je t'ai dit, va chercher la baguette, tu veux pas. Moi aussi, je veux pas. La boulangerie est fermée. Mais est-ce que ça, c'est pas un échange? C'est du chantage là, du coup. Attention, c'est plus de la manipulation. Ah, mais c'est un peu. Si, un peu. Ça marche très bien. Donc vous mettez acheter la baguette de pain à notre plaisir mutuel. Parce qu'on aurait dit que c'est que pour nous. Non, moi je mettrais pas ça dans l'échange de chniquettes. Faut pas écouter. Moi je mettrais pas ça dans l'échange de comme ça. Moi je ferais pas ça comme ça. Tu ferais quoi? Pour du pain. Pour du pain. Ah, bébé, si tu vas pas chercher le pain, t'auras pas de tartine. Il va juste s'asseoir. Pour le canapé, il va te regarder. Non, il va aller, t'inquiète même pas. Pour les tartines. Voilà, il va aller pour les tartines, tu blagues. Quelle tartine? Elle est en train de jouer au ping-pong avec son cerveau, elle. Voilà, mais c'est vrai.
Tu peux, au bout d'un moment, quand tu habitues trop ton homme à faire du chantage avec lui, en lui disant voilà bébé, aujourd'hui t'as pas voulu acheter le pain, donc du coup t'auras pas de sexe ce soir, ou t'as eu un mauvais comportement, t'auras pas de sexe ce soir, ou la semaine prochaine tu m'as regardé de travers, tu m'as mal répondu, donc t'auras pas de sexe ce soir, ça devient une habitude. Et cette habitude là, c'est comme un enfant, si tu le tapes tout le temps, au bout d'un moment, bah, ça n'a plus d'effet. C'est comme ça que je vois les choses. Après, les gens peuvent. Mais comment on dit en sénégalais? Digging the body fell. Tu n'as pas le digging the body fell ici. Qu'est-ce que t'as besoin? Je sais pas. Une femme doit avoir plusieurs astuces. Oui. Elle doit pas être en France. Voilà, mais ça doit pas que être forcément la chenille. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que la chenille, il y en a plein dehors. Il y en a plein dehors. Toutes les formes, quoi, toutes les couleurs. Même s'il y a des milliards de chenille dehors, là, il va tremper son biscuit ailleurs. Mais autant éviter partir sur des bons pieds dès le départ. Si tu sanctionnes tout le temps le mec en disant t'auras pas de chenille. Mais de toute façon, t'auras même pas besoin d'être de chantage ou quoi que ce soit, parce que dès le début, tu mets les trucs en place. Quel truc? Les trucs en place. C'est pas tout le temps la femme qui va dire elle va chercher la baguette. Non, lui-même dans sa tête, tu vas dire. C'est un réflexe. Tu vas l'éduquer. Voilà. Un homme, ça s'éduque. Voilà. Okay. Tu vas l'éduquer de manière à ce que ça soit un automatisme pour lui quand tu lui demanderas. De toute façon, un homme, c'est un enfant en fait. Tu vas devoir l'éduquer à ta façon. Donc, les histoires de blocage, ça en arrête. Et toutes les filles qui ont pour habitude de bloquer leurs hommes en leur disant ce soir, t'as pas de chniquette. Mais de toute façon, celle qui va la bloquer, il va se débloquer dehors. Donc, je vous déconseille, c'est pas une stratégie gagnante. S'il y a des hommes qui nous regardent. Appelez-nous au 09 70 40 55 20 pour nous dire comment on vous a éduqué. Mais c'est ça. Vous donnez ce secret-là? Je veux savoir. C'est pas un secret. Donc toi, aujourd'hui, on t'a pas éduqué? Non, mais c'est ma mère. Tu parles de quoi là? Non, excusez-nous. Oui, Yannick est célibataire. Oh putain. Comment ça s'appelle? Donc en fait, toi, ta femme, elle peut pas t'éduquer? Elle peut pas m'éduquer. Elle peut pas orienter tes méthodes de faire par rapport à ce qui lui convient. Par exemple, tu sais que ta femme, elle aime le flan, et ben tu vas à la boulangerie, t'as envie d'être un peu gentil avec elle, tu vas pas lui acheter un flan. Ok. Si c'est ça que tu appelles l'éducation, t'as totalement raison. Par exemple, pour lui faire plaisir, je vais lui acheter le flan. Tout le temps, c'est elle qui descend la poubelle. Un jour, tu vas pas descendre la poubelle pour lui faire plaisir. Macho comme ça, tu seras pas à la poubelle. Si, je descends la poubelle, je fais la personne, j'ai rien à faire, c'est pas. D'accord. Bah tout ça sont des petits, c'est une manière indirecte aussi d'éducation, parce que tu fais quelque chose dans l'objectif de satisfaire ou de plaire à une personne ou de soulager une personne. Et aujourd'hui quand toutes deux personnes s'unissent... Mes amis, à moi, hommes, moi, nos parents nous ont pas éduqués comme ça. C'est-à-dire que quand on est en couple, on sait déjà quoi faire. Descendre la poubelle. On apprend. Descendre la poubelle, faire la vaisselle, ce que vous pensez être des trucs. Enfin, mes amis à moi, je parle de moi aussi. Pour nous, c'est pas ça nous rabaisse pas en tant que homme. Ah bon, bah ça, c'est toi qui le dis. Hein. Bah, il y en a beaucoup, c'est eux qui vont toucher une vaisselle ou un verre ou quelque chose. C'est un truc. Ils se sentent carrément. C'est ce que je viens de te dire. Je parle de mon entourage à moi. Moi, je sais pas. Il y en a pas un qui est célibataire déjà. C'est pas une question de qui on côtoie. Hein. Si. Non. Si. Je te dis que mes amis, on fait pas ça. Toi, tu me dis, oh, bah, ok, il y a pas de souci. Pas de tout le monde. Je suis ok avec le fait qu'il y ait des hommes qui soient comme ça. Je te parle de nous. Nous, on n'est pas comme ça. Non. Comme on n'est pas comme ça, parce que nos mamans nous ont éduqués. On a des mères qu'on aime. Elles nous ont dit, ok, tu fais la vaisselle, ça ne sert pas à rabaisser en tant qu'homme. Elles nous ont dit, tu descends la poubelle, ça ne sert pas à rabaisser. Oui, mais là, c'est pour maman. Quand on est en bref. C'est pour ça que je parle de mon entourage à moi. Quand on est en couple, on fait cela et on partage certaines tâches avec la femme avec qui on est. C'est pas toi qui as venu nous éduquer. T'es pas ma mère ou je sais pas quoi. Et je pense que réellement, les femmes qui se mettent en couple avec des hommes, qui les éduquent ou qui leur apportent certaines choses, perdent une certaine estime pour ces hommes-là. C'est pour ça que quand tu dis il faut éduquer son homme. Je pense que si tu fais cela, tu vas perdre de l'estime pour cet homme-là. Je te pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas aimer un homme, mais voir que cet homme-là, il n'a pas eu peut-être la même éducation que toi, une éducation un peu plus autonome, parce qu'il est parti très vite du foyer familial. Et du coup, aimer cet homme-là de manière profonde et l'éduquer sur le savoir-être, par exemple, dans le foyer.
Par exemple, baisser la cuvette, fermer le tube de dentifrice. C'est des basiques qu'on fait pour satisfaire l'autre, en fait. Et qui n'est pas forcément inné chez tout le monde. Est-ce que tu peux le concevoir, mais ça personne n'est... Mais c'est vrai. De quoi c'est vrai? Ce que tu dis. Franchement, quand vous vous mettez avec ces hommes-là, vous tenez combien de temps? Bah, il y a des femmes qui, eux, pour eux, c'est un challenge et elles ont réussi à éduquer cet homme-là. Et aujourd'hui, elles sont épanouies et heureuses en soyez. Yeah. Parce que l'homme a su lâcher prise et apporter ce dont la femme elle avait besoin pour pouvoir... pour pouvoir... ce que le couple avait besoin. Tout à fait. Okay. C'est ce que je répète encore. Un homme, c'est comme un enfant, ça s'éduque. Après, peut-être que le mot éduquer est beaucoup trop fort, ça fait beaucoup trop... femme-maman qui a materné, accompagné comme un petit enfant. Mais vous êtes des femmes, c'est normal. Voilà. Que vous maternez, que tout ça, c'est normal. Mais que... Mais quand on tombe sur un homme mature comme toi, peut-être que le message éduqué peut être un peu trop choquant, en fait. Quand il va fuir. Tu m'insultes. Ça va être simple. Voilà, il qualifie le mot éduquer comme une insulte. Alors que non. Tu vas pas m'éduquer. Non, oui, je vais pas t'éduquer, je cherche pas à t'éduquer, mais en fait, ce que je... Je te jure, t'es inéducable. De toute façon, t'as tout dîné, tout est parfait. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui recherchent cette, en fait, quand on dit deux personnes se marient ensemble. Ce côté maternel. Donc aller voir leur mère. Pas ce côté. Oui, ce côté maternel, mais aussi cette complémentarité qu'on retrouve chez une femme. Et maintenant, si leur maman n'est pas. Tu veux comment? Ou imagine, ils ont pas grandi avec leur maman. Ouais. Ou peut-être qu'ils ont perdu leur maman très tôt. C'est tout le monde qui a perdu sa maman très tôt. C'est tout le monde. Mais chaque situation grandit comme toi. Voilà. Tout le monde n'a pas grandi comme toi. Voilà, toi, t'as eu maman, elle a été là, elle t'a appris les bases de la vie, comment se comporter, même si elle n'est pas là, c'est pas une excuse. Tu vois comment la société est. Tu vois comment les interactions hommes et femmes sont. Si tu ne sais pas qu'il faut baisser la lignée des toilettes après elle est allée aux toilettes. Ah, mais il y a beaucoup d'hommes qui font pas ça. Des hommes très bien éduqués qui ne le font pas, mais qui ont pris le devant et qui ont réussi à le mettre en place pour mieux satisfaire leur femme. Ils ont fait un effort. Donc indirectement, à leur femme, je leur dis bravo parce qu'elles ont réussi à éduquer leur homme parce qu'il les aimait, il avait envie de s'accrocher, ils se sont battus ensemble et ils sont arrivés à quelque chose. Ils ont baissé la lignée des toilettes ensemble. Voilà. Oh my goodness. Non, bah oui, pourquoi pas. Non, non, aussi. Va au fond, quand les hommes manipulent les femmes. Eux, c'est par la tchatch. Ah, c'est quoi la question? Est-ce qu'ils le font plus avec des paroles ou avec des actions? Beaucoup plus de paroles. Mmh. Et si vraiment il est attaché à cette femme-là, bah, il va concrétiser avec des actions. Exact. Pour montrer qu'en fait, regarde, ce que je te raconte, c'est pas du blabla. Je tiens vraiment à toi et j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose. Sauf. C'est quoi? Il y en a. Oh, ils font ça partout. C'est gâté. Parce que des fois, ils vont, genre, tu vois les gens, non, mais moi je veux des actes, nanana. Tu connais les poupées Barbie de Paris. Ils vont arriver, le gars il va se dire, ok, si moi je veux la voir, je suis obligé de passer par là. Donc, je m'achète. Et tu arrêtes. Donc, il va tout faire pour avoir en fait. Et nous les femmes, c'est simple, des fleurs, un resto. Et encore les africaines. Tu leur as mis nos maquis, c'est fini, on va se faire un adjeké boulé et puis c'est fini. C'est histoire de dire que toutes les femmes sont pareilles. Resto, tu leur fais un petit... Tu leur tiens la main, oui, en voilà. Les câlins dans la rue, patati patata, comme les petits Français, oui. Tu vas voir que ça va... Donc ça, tu mettras plutôt en blablatage ou en langage comme... En action. Donc... Ok. En fait, les hommes, ils ont les deux aussi, les deux techniques. Ça commence par la tchatch, et s'ils voient que la tchatch, ça passe pas, ils vont faire les actions, c'est tout. Ou quand ils voient que la tchatch a bien marché, mais qu'ils ont envie d'aller encore plus loin, taper plus fort, pourquoi pas utiliser l'action? Non? Pour compléter et aller plus fort. Pourquoi tu rigoles, tu crois pas? Non. Alors, est-ce que pour vous, manipulation est égale à mal? Vas-y, dis. Ça dépend qu'est-ce qui est fait derrière, parce que si tu manipules au point de devenir un pervers narcissique et que tu
que tu manipules pour atteindre tes objectifs et que tu mens à la personne et que tes intentions elles sont mauvaises vis-à-vis de la personne et que par exemple dans ta manipulation tu lui parles de mariage, tu lui vends du rêve, tu lui promets énormément de choses et que tu arrives à lui suturer beaucoup de choses en rapport avec cette manipulation là et que ça devient méchant. Donc là personnellement c'est pas une bonne manipulation. Ouais, mais il y en a des fois ils tombent dans leur propre piège. Ouais, ils tombent dans leur propre piège. Mais... ils tombent carrément amoureux en fait. À la fin, ils vont se rendre compte eux-mêmes. Moi, ça m'est arrivé en fait. Il y en a un, et franchement, c'était en 2010, et j'étais au bled. À ce moment-là, j'étais la petite française qui venait d'arriver. Donc, le gars, en fait, il a déjà commencé au téléphone. Ouais, c'est un admirateur, nanana. Ouais, c'est qui en fait? Il m'a dit, ouais, je te connais, mais toi, tu me connais pas. Ok, d'accord, bah, viens devant chez moi, je suis devant chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le mec, il est rentré dans ma vie par rapport à un pari. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Un pari avec ma meilleure amie. Tu vois ce que je veux dire? Le vice, en fait. C'est une connasse, ta meilleure amie. Oui, bah, j'ai, de toute façon, depuis maintenant, bah, j'ai bâillé, en fait. Donc, à la fin, le mec lui-même, il est tombé dans son piège, il est tombé amoureux, en fait. Et après, tu as avoué tout ça? Ouais! Et comment il a fait pour s'y prendre? Pour me l'avouer? Ouais. Il est venu s'asseoir, il y avait moi, ma grand-mère, avec ma mère. Tu l'avais présenté à ta famille? Ouais. Donc c'était pas... En fait, moi, je suis du genre, je n'aime pas cacher ce que je fais, en fait. Parce que, on va dire, au bled, je vis dans un petit village où ça parle beaucoup. Il y a une vieille, elle va te passer, elle va te voir avec quelqu'un, direct, ça va parler, téléphone arabe. Ouais, j'ai vu ta petite fille ici, non, et je connais ma grand-mère. Donc après, je préfère prendre les devants, lui dire bon, vas-y, moi je sors avec telle personne, je suis avec telle personne et puis basta. Je suis comme ça. Donc moi, je suis quelqu'un, je présente vite. J'aime pas tourner autour du pot. Et maintenant, bah, je l'avais présenté et tout le monde me connaissait dans ma famille. Et c'est après que... Et comment t'as réagi face à ça? Ah, j'étais mal. En fait, j'étais plus mal par rapport à ma meilleure amie. Jusqu'à que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, si tu me vois, change de trottoir en fait. Parce que je risque de tout bouffer. Après, tout le monde m'a dit, non, mais ça sert à rien, tu te rabaisses et tout. J'ai dit, non, en fait. Elle a voulu jouer à un jeu qui aujourd'hui s'est retourné contre elle. Tu as laissé le bénéfice du doute ou pas? Des explications? Non, parce que j'ai vu les messages. C'est ça qui est bête, en fait. Avec Facebook, vraiment, tout reste, en fait. À la fin, c'est... Elle a fait ça dans quel objectif? La jalousie, en fait. En fait, il y avait un de ses copains. Moi, je suis quelqu'un, je suis très amie avec les garçons. Donc, vu qu'elle est en... C'est comme si aujourd'hui, Yannick, tu me le présentes comme ton petit ami, alors qu'à la fin, c'était pas ton petit ami. Toi, dans ta tête, tu te faisais des films, en fait, tu vois. Donc, moi, je suis partie avec pour voir le gars. J'ai dit, mais tu sors avec Assa? Il m'a dit, mais jamais de la vie, on est juste amis et tout, tu vois. Mais toi, tu continues dans ton coin, mais je trouve que oui, c'est mon petit ami, nanana, nanana, on se voit, nanana. Moi, je te laisse dans ton délire, tu vois. Mais par jalousie, parce que j'étais très proche de Yannick. Toi, tu vas vouloir monter, tu vas aller voir le gars, tu vas lui dire ouais, le gars il me trompe avec Amina, tu vois. Donc c'est comme ça que c'est. Le gars il a dit ok, bah vu que c'est comme ça, moi je vais rentrer dans la vie d'Amina, comme ça ton gars il va perdre. Est-ce que tu as réussi à soulever dans quelle partie est rentré le vice dans l'histoire de Nemia? La femme. Oui, la femme. Toujours les femmes. La femme et le vice de l'homme. Voilà. Le vice c'est mis en place en rapport avec l'homme. La femme elle a mis son plan d'action en place pour acquérir un homme. Donc en fait encore une fois ça rappelle à quel point les femmes elles font des vices pour tout et pour des rien. Des sales vices même. Et pour des objectifs qui sont pourris, pour un. Parce que le mec il s'intéresse pas à toi, pourquoi tu vas te casser la tête en fait? Et elle est partie parier que le gars l'arrivait. Non mais l'amour ça c'est pas forcé en fait. L'amour c'est pas forcé. Ça se contrôle pas. Ouais. Non mais après 5 ans plus tard tu leur demandes, la fille va pas dire j'aimais. Elle l'aimait pas en fait, c'est juste un petit kiff comme ça, tu vois, les collégiennes, les lycéennes comme ça, tu vois. Ok. Je suis désolée. Mais bon, de toute façon, à notre âge, elles sont capables de tout. Mesdames. Vous croyez en votre homme plus que lui le croit en lui. Vous arrivez à percevoir tout le potentiel qu'il a en lui. Il bosse à un certain niveau, mais vous êtes persuadé qu'il peut faire beaucoup mieux. Et malgré sa résistance, ses peurs, ses doutes, vous arrivez à voir au-delà de ses faiblesses. Dites-moi,
comment avez-vous fait ou comment faites-vous pour qu'il agisse selon vos désirs? Il y a plusieurs méthodologies là. Tu vas dépendre. Hein, tu as compris la question? Tu as des suggestions? Non, vas-y, vous savez très bien, Tino, la vérité. Non, moi, dans cette situation, à part lui parler, être là, le pousser, franchement, je ne vois pas comment, côté manipulation, tu vas pouvoir le réussir à le faire avancer. En le manipulant indirectement, en sortant des résultats chiffrés, donc en ayant une communication... Ouais, c'est la seule façon, c'est la communication. Ouais, la communication, mais il faut que ta communication ne soit pas que communicative, il faut qu'elle soit communicative avec... pas que des preuves à l'appui, mais si tu peux sortir des résultats chiffrés, etc. Tout va dépendre de l'objectif en question. En fait. Il n'y a jamais de sexe dans votre manipulation. Si, bah non, mais ça marche pas plus. Hein? Non, pour faire avancer un homme dans sa vie, il faut lui donner la chenette. Arrête ça, wesh. Après, ça dépend des hommes et ça dépend des objectifs. Tu vas pas aller coucher avec ton homme parce que tu veux qu'il ouvre une station d'essence. Mais c'est ça en fait. Est-ce que ça peut être tu veux être coucher avec lui pour qu'il entre vous coucher personnellement dans sa femme. J'ai compris, vous êtes en même temps. Vous couchez déjà tous les soirs ensemble. Oui, voilà. Tu vas lui dire, ouais, bébé, ouvre une station d'essence. Non, j'ai peur. Ah, ok. Bah, vas-y, viens, dans la chambre. Ok. Tu crois que ça va le motiver à ouvrir une station? Faut lui sortir des résultats chiffrés. Après, tout va dépendre de la femme qu'il aura en face de lui. Si c'est une femme qui est commerciale, qui connaît, qui sait de quoi elle parle, je pense qu'elle aura une action qui sera beaucoup plus concrétisante dans la communication que d'offrir toujours le corps. Au bout d'un moment, faut arrêter de toujours vouloir mettre le corps en avant. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a beaucoup plus important et beaucoup plus... Je vais dire... Tu vas dire quoi? Non, je vais pas dire là. Vas-y, c'est bon. C'est gâté. Est-ce que vous pouvez me donner... Abdallah, il y a quoi? Est-ce que vous pouvez me donner deux exemples de manipulation que vous avez exercé sur votre homme dans le présent ou dans le passé? Présentement, je peux pas parler. Dans le passé. Dans le passé, Ce que vous avez fait, c'était de la pure manipulation pour atteindre un certain objectif. Pour avoir ce qu'on voulait. Ouais. Moi je suis beaucoup dans le parallèle en fait. T'es gâté! La vie, moi c'est ok, j'arrive à son tour, bien. Hey! Bon, mais genre, tu réfléchis? T'es gâté, oui! Moi j'avoue, je suis une flemmarde pour faire la vaisselle. Ça, c'est un problème que j'ai. Ah. C'est un vrai problème. D'accord. Donc souvent, ça m'est arrivé de manipuler pour dire vas-y, va faire la vaisselle et tout. T'as vu, aujourd'hui, je raconte toute ma journée vraiment histoire de beaucoup parler. Maintenant, à mettre une pression psychologique à la personne. Et en plus de ça, lui faire part de l'émotion que j'ai accumulée tout au long de la journée. Donc, beaucoup parler, récapituler, pour que la personne ensuite, elle s'épuise mentalement et qu'après, elle aille faire la vaisselle. Donc, en fait, tu l'épuises pour parler beaucoup. Oh, tu vois, elle a mal à la tête. Elle a dit, c'est bon, je vais faire sa vaisselle avant qu'elle casse les couilles. Ah, non, quand il va se lever, tu vas juste entendre. Casse les couilles! Ah, mais je te jure! Non, mais en plus, il allait faire. Alors, attention, mon ex-mari, il aimait beaucoup faire la vaisselle, il voyageait, mais des fois, il faisait pas la vaisselle parce que il voulait trop que je fasse la vaisselle. Mais moi, j'avais trop pas envie de faire la vaisselle, donc il fallait être manipulatrice. T'étais obligé en fait. Gâté. On se battait, ouais, verbalement pour qu'il fasse la vaisselle. Ça fait un, deux. Deuxième. La vaisselle et de l'argent. C'est clair! Donc là, je ne parlais plus en fait. Je vous dis, ouais. En fait, c'est vraiment plus ça. T'as quoi? J'ai des problèmes! J'ai besoin d'argent! L'argent! Et quand je parle pas, ça fait mal à la tête aux gens, je te jure. Le silence tue. Ah ouais, quand je parle pas. En plus, j'ai envie de parler, mais vas-y, j'entends un petit ton du rire. Je travaille moi-même sur moi-même. Non, c'est la meilleure chose. C'est stratégique. Ok, toi, deux. Tu sais, comme ça. Il a trop eu problème. Je te jure. Appelez-nous 09 70 40 55 20. Et si vous avez deux exemples de techniques de manipulation que vous avez utilisées sur votre homme, et bah, pour vous les hommes aussi, si vous êtes là, si vous vous souvenez d'une manipulation que vous avez grillée de votre femme pour avoir de l'argent. Ok. Bon. Tu
Qu'est-ce que tu as fait? Massage intégral. Oh putain. Dans quel objectif? D'avoir l'argent. C'est ça que je veux entendre. Ah, lui, le pervers. Il était content? Oui, il était content. Donné, ouais, voilà. Il a visé son con. Non, mais voilà, après, y a, comme tu dis, il y a plusieurs manières d'avoir ce qu'on veut. Donc, quelle est la deuxième manière? Hey, toi, tu sais, c'est le problème. Ouais, quand même, je boude. Ah bon? Ça marche pour avoir l'argent. Attention, bouder, ça marche pas avec tout le monde. Non, moi, je, comme on dit, je suis une petite princesse, donc ça marche. Ça marche. Surtout pour la bouffe. Ça, c'est très important. La bouffe, pour moi, c'est très important. C'est vital. Ah, c'est vital. Ah non, la bouffe, je blague pas avec. Hein. Okay. Si, par exemple, j'ai plus de céréales ou un truc comme ça, je commence à crier. La bouffe, c'est... Non. Eh, tu blagues. Les extras, là, c'est quelque sauce. Okay. Hmm. Si la femme est en couple, mais qu'elle n'est pas mariée, est-ce que le fait d'accepter les cadeaux d'autres hommes fait partie du jeu de la manipulation? Bah oui. Pourquoi elle va fermer la porte? Bah oui. Oh non. Sérieux? Mais comme on dit, tant qu'il n'a pas doté, il n'y a rien. Et si vous êtes en couple officiellement? Non, couple, couple là, ça va venir. Couple là, c'est que du vent. T'as dit à l'imagination qu'on m'a réfléchi, moi, c'est ça qui me dépasse. Non, mais c'est clair en fait. Couple, ça veut rien dire. C'est clair et net. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent venir te dire, ouais, on est en couple, patate patata, il va venir vers moi, ouais, on est en couple, toi et moi, alors qu'il est en train de jouer doublette. Ça sert à rien. Non, mais après, tout va dépendre de l'homme que tu as en face de toi. Être en couple peut être un engagement. Tous les hommes sont des schtroumpfs, ils sont pareils. Il y en a pas. Ok. Ils sont tous pareils. Ok. Donc, tu dis, en tant que femme, même si tu es en couple, je ne ferme pas la porte aux hommes. C'est donc ça veut dire si t'es en couple, tu m'as pas doté. Attends, juste une question. Tu es en couple avec un homme. Vous vivez dans le même foyer. Non, on va pas vivre ensemble. C'est gâté. Non, mais vous vivez dans le même foyer pour X raisons. D'accord? Ouais. Donc du coup, tu as des cadeaux d'un autre homme de l'extérieur. Tu les prends et tu lui montres. Bébé, j'ai reçu un cadeau d'un tel. Ouais. Comme ça, il va se dire, ah non, il y a de la course derrière. Sérieux? Ouais. Comme on dit chez moi, le rugby d'un fois serré. Ça veut dire que la queue là, c'est serré. Rugby d'un fois serré. Donc ça veut dire la queue là. Donc soit tu fais les choses bien, soit un autre de tes compagnons va le faire. Et puis c'est carré. Ok. Et toi, dans ces amis? Après, je pense que c'est la génération et l'âge qui feront la différence. Je pense que dans 10 ans, je ne réfléchirai pas pareil. Dans 10 ans, je serai ménopausée, c'est pas grave. Non, mais t'as quel âge déjà? Voilà, 24 ans. Philippe, la fille, elle a 24 ans, c'est normal qu'elle réfléchisse. Voilà, voilà, voilà. Faut pas l'écouter, moi j'ai pas 24 ans. Elle a 24 ans, c'est normal qu'elle réfléchisse comme ça. Et moi qui ai 33 avec du recul et de l'expérience, je peux pas avoir le même point de vue que Mia. C'est normal. Donc moi je dirais non, c'est pas acceptable vis-à-vis d'un... T'imagines, moi, en couple, je vis avec un homme en couple, ok, on n'est pas doté, il reçoit le cadeau d'une autre chouin dehors. Oh, mais ça c'est pas grave ça. Pourquoi tu vas te fâcher? Cadeau là, c'est cadeau, c'est matériel, on s'en fout. Non mais tu connais la signification de cadeau, tu donnes un cadeau à qui? Tu donnes un cadeau concrètement. Mais ça, on s'en fout. Tant qu'il n'est pas parti, excusez-moi du terme, il n'est pas parti baiser. On s'en mais fout. Cadeau peut orienter à baiser. Mais là, par contre, si il est parti tremper son biscuit, là on va en parler tranquillement. Mais cadeau, on s'en fout. D'accord. Voilà, on s'en fout. Mais non. Ah, moi, tu n'acceptes pas les cadeaux d'une autre, je n'accepte pas les cadeaux d'un autre. Écoutez, fais que le fait. Allez, sur pays du merveille, c'est pas grave, ça va se passer. Non, ça, non, mais attendez, les internautes, vous êtes neuf avec moi, avec nous. Est-ce que vous acceptez les cadeaux des autres hommes à l'extérieur si vous êtes en couple? Expliquez-moi. Ouais. Je t'ai dit ouais. Ah, ok. Si, y en a pas une qui n'est pas d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Tu veux faire quoi? Ok. Oh, d'accord. Vous savez, vous savez parfois que certains hommes sont intéressés par vous sans que ce soit réciproque. Vous savez que juste le fait d'être en votre compagnie les dérègle. Les affecte. Dans ce cas,
vous est-il déjà arrivé de profiter de, ça, de cet avantage-là? Si oui, pourquoi? Et comment? Moi, si je sais qu'il est attiré par moi. Et non. Que toi, tu n'es pas du tout attiré par moi. Je vais mettre les choses au clair. Mais après, si le mec force le game, là, c'est gâté. Tu prends les cadeaux? Tu prends les cadeaux? Je prends tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, et je te donne une leçon en te montrant que quand une femme ne veut pas, laisse-la tranquille. D'accord. C'était pourquoi? Qu'est-ce que tu as accepté? Pourquoi tu es comme ça, toi? Parce que la question est comme ça. Non, c'était au Sénégal. Qu'est-ce que tu je travaillais dans une boîte, ouais. Et j'étais en couple et tout, donc il y a un gars, un des videurs, il me laissait pas tranquille. Et franchement, quand je dis pas, il me laissait pas tranquille, c'était partout où j'allais, il faisait une enquête sur moi. Il approchait les gens de ma famille, jusqu'à il est parti, il a trouvé le numéro de ma mère. On va savoir comment, tu vois. Donc à la fin, ça m'a saoulé en fait. Je suis une personne, oui, je suis très ouverte, il n'y a pas de souci, je suis amie avec tout le monde, je te souris, il n'y a aucun problème. Mais quand tu commences à me, excusez-moi du terme, à me casser les couilles, je te montre clairement que je suis peut-être une meuf, mais il y a un bonhomme à l'intérieur. Et qu'est-ce que t'as fait après? Bah, comme on dit chez moi, un malade, ça veut dire j'ai bouffé son argent. Je lui ai montré clairement que ce n'est pas ni le matériel ni l'argent qui vont faire qu'une femme va tomber amoureuse de toi. D'accord, donc t'as bouffé tout son argent et qu'est-ce que t'as fait après? J'ai pris mon avion, je suis rentré chez moi. Après, il a commencé à envoyer des messages. Oui, tu m'as brisé le cœur. Non. Mais je m'en fous. Enfin, je te montre clairement. Si je veux pas, je veux pas. Est-ce que ne pas montrer. T'aurais peut-être pas. Oui, mais peut-être que. Est-ce que le montrer autrement n'aurait pas été. Montrer autrement quoi? Non, mais c'est déjà par la parole que tu lui montres clairement que tu ne veux pas. Pourquoi tu vas forcer? Et si par la parole il n'a pas compris, on ne peut pas faire ça de manière avec les actions? Si le mec il fait 2 mètres avec plus de 190 kilos, tu fais comment? Ok. Donc il y a Titi Timati qui a dit: moi j'accepte pas les cadeaux, bah notre homme, et si j'accepte son cadeau, c'est comme si j'acceptais les avances. Ouais. Donc elle a complètement redit ce que j'ai écrit. Accepter le cadeau, c'est une destination vers une future relation. Et toi, as-tu, comme la dernière question, madame? J'écoute, j'ai vu une question. T'as dit quoi comme commentaire? Il a dit, j'ai une question existentielle à vous poser. Quand vous voulez faire l'amour à une femme, vous passez par 46 chemins en promettant la lune. À toi, je vais t'en poser. D'accord. T'as une question? Ouais. Le premier la lune? Ouais. Bah genre tout quoi en fait, tout et n'importe quoi. Non, je comprends pas la lune. Enfin. J'avais oublié, toi t'es pas pareil que tu. Non, c'est pas que je suis pas pareil. Si je suis en relation avec toi, je te dis que effectivement j'ai envie d'atteindre sa part objective avec toi. Maintenant, quand on avance, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais pour lui, il y a une abondance de femmes en fait. T'as pas besoin de mentir. Après, encore une fois, c'est une histoire de génération. Peut-être qu'un jeune homme de la génération de 17 à 23 ans n'aura pas la même méthodologie qu'un jeune garçon de 26 à 35 ans. Le jeune garçon, lui, sera plutôt dans le challenge, le fait de travailler peut-être plusieurs, deux, trois à la fois. Et du coup, ouais, il va beaucoup utiliser, comme on a dit tout à l'heure, le langage, le verbal, ouais, pour pouvoir acquérir une demoiselle. Mais un jeune homme de 30 ans, il sait ce qu'il veut, il a une conquête en face de lui, il sera plutôt attiré par vraiment conquérir le cœur de cette personne que le vagin de cette personne. Donc il sera beaucoup plus stratégique et beaucoup moins rapide sur son plan d'action. Ça, c'est clair. Tu vois. Donc encore une fois, c'est une histoire générationnelle. C'est pourquoi je dis. Non, parce que plus, entre guillemets, je vieillis, plus c'est facile. Mais oui. Sur ce plan-là. Parce qu'il a de l'expérience en fait. Non, parce qu'il a de l'expérience, mais les femmes qu'il aura en interlocuteur, elles seront beaucoup plus réfléchies. Donc du coup, celles qui seront amenées à... Elles seront plus ouvertes. Mais j'avais plusieurs, mais un ami en particulier auquel je pense, qui est plus jeune, 17, 18, 19, pas besoin de promettre la lune. Il enchaînait. Quand j'ai enchaîné, il enchaînait. Je veux pas dire son nom parce que ce serait relou si on trouve sur internet et tout. Mais réellement, il enchaînait. Et c'était pas forcément des
C'est vraiment pas un chasseur. Parce que moi j'étais déjà en couple avec une jeune femme et j'étais pas dans cette optique-là. Je trouvais ça impressionnant, je veux dire, mais comment il fait réellement, et c'était partout, que ce soit en physique, que ce soit sur internet, ouais, c'était sur internet aussi, il est arrivé assez vite. Comment tu fais? Il n'arrêtait pas. Et des fois, il serrait des meufs, c'était pour des potes à nous qui les serraient et tout, des trucs. C'est un truc de fou. Mais donc, ça fait pas générationnel. Parce qu'il a compris. Après, dans la génération, il y a toujours des exceptions, dans le sens où, ok, lui, il a peut-être 25 ans, mais il réfléchit comme un homme de 30. Ou vice-versa, où il a avancé intellectuellement. Mais moi, je pense que ça va être plutôt dans sa manière dont il va aborder les femmes. Est-ce que c'est pas le fait aussi de traîner avec des hommes plus mûrs que nous? Oui, parce que tu t'acquiers en expérience, en savoir-faire. T'es mon pote, donc on n'était pas avec des gens plus mûrs. Ce que je sais, c'est qu'il avait une grosse confiance en lui, ça c'est sûr et certain. Ça aide. Et ça aussi, ça aide. Ce que j'ai appris avec un petit peu d'expérience, c'est que vous êtes beaucoup plus nombreuses qu'on le pense dans votre... Après, toi-même, tu l'avais soulevé la dernière fois lors d'un dernier direct, on ne sait pas si les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Beaucoup de gens le soulignent, le soulèvent. Je ne parle pas que les hommes, je dis que vous êtes nombreuses en tant que femmes. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de choix. Ce qui veut dire que si c'est uniquement le vagin, ça n'a pas de réel poids en fait. Et c'est ce que lui, il a compris, c'est ce que j'ai compris de lui en l'observant, en y repensant. C'est-à-dire que lui, ça, c'était pas le... plus important parce que ça, je vais l'avoir que ce soit avec toi ou pas. Ça veut dire qu'il abordait, il n'en a rien à foutre et ça passait. Parce qu'il démontrait aux filles que je ne suis pas sur ton vagin, je suis sur ton cœur ou autre chose. Vous passez du temps, on apprend à se connaître. Non. Donc il allait conquérir ces filles-là en leur montrant que je veux juste lâcher mes quêtes et puis c'est bon. Totalement. Bah après, moi, ça perso, moi, je suis pas contre ça. Si le mec, il vient, il te dit la vérité, c'est une histoire de cul, si t'es d'accord, tu y vas, si t'es pas d'accord, tu vas pas. Au moins, il t'a pas vendu, il t'a pas manipulé, il t'a rien fait de mal. C'est gâté. C'est mieux un mec comme ça qu'un mec qui vient et qui te vend du rêve. Voilà, comme ça, tu sais où tu mets les pieds. Moi, tu t'attaches ou pas? Il y a des pervers narcissiques, tout ce que tu veux, des manipulateurs extrêmes, tout ce que tu veux, ils sont en très large minorité par rapport à des hommes normaux qui nous disent des choses. Éventuellement, c'est la lune, mais vous le savez, 2-3 semaines, machin, vous savez. Si c'est un mythomane ou pas. Ouais. Ouais, ça se ressent. Parce que le discours ne suit pas avec les actes après. Mais peut-être physiquement, ça se passe très bien, et puis voilà. Ok. C'était tout pour aujourd'hui. On a fini? Yes. On a fini. On a dit au revoir aux gens. On a fini. Mia, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mia? Non mais on va conclure, faut conclure. Un conseil pour les femmes qui manipulent, on leur dit quoi? Calmons-nous les cousines, calmons-nous. Laissons les hommes un peu tranquilles. T'es galère, Mia, je te jure. Tu leur donneras tes conseils dans la psychologie. C'est vrai. Oui, voilà, si vous avez besoin de conseils, appelez à Sarah. Ne m'appelez pas moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, Mia Moda, ou sinon sur mon Instagram, Djangoma, ou Snapchat, Djangoma. Moi, vous savez tous, hein, Assa, votre psychologue, coach, conseillère en images et votre roloqueuse. Et moi, le conseil que je peux apporter aujourd'hui par rapport à cette thématique-là, c'est que oui, effectivement, nous les femmes, aujourd'hui, on a des attributs, on les met en avant. Après, il ne faut pas que ça soit monnaie d'échange. Il ne faut pas que ça soit « je te donne ci, je te donne ça ». Il ne faut pas que ça soit ça. Même comme je disais tout à l'heure, je souligne, les femmes qui disent « oui, alors Marie, ce soir, tu n'auras pas X, Y, Z parce que tu n'as pas eu X, Y, Z ». Faut pas que dans votre relation vous échangiez les actes ou les... Voilà, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas, je suis à votre totale disposition. Vous pouvez réserver votre place ou vos séances sur le site internet www.désiredevient.com. Et voilà quoi, on trouve toujours des solutions, il n'y a pas de problème sans solution. Et comme je dis toujours et encore toujours, Dieu ne nous donne jamais un poids qu'on ne peut pas surmonter. Il faut juste en parler aux bonnes personnes et rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir mettre les choses en place et arriver à s'en sortir, et ça de manière stratégique. Et on travaille sur la stratégie et la communication avec Yannick Yao. Oh mon Dieu. Yannick Yao.
qui va finir et conclure sa présentation. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et merci pour votre participation.